La France, entre les deux guerres, prépare la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas une surprise, la Seconde Guerre mondiale, loin de là. Bien au contraire, c'est attendu. Et toutes les gardes de France sont équipées d'un bunker qui permettrait, en cas d'attaque aérienne, de permettre de continuer à faire la gestion des mouvements des trains, ce qu'on appelle la régulation et l'exploitation des chemins de fer. La porte est étanche, vous voyez. Là, on peut voir, on tourne le volant, vous voyez, plus ou moins, vers moins non étanche et étanche. On assurait, on plaquait la porte dans le béton. Sans joint de caoutchouc, hein, vous voyez, c'est un joint métallique, donc tout à fait, c'est la simple pression suffit. On pouvait y tenir à peu près une heure ou deux. D'ailleurs, il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de lieu pour dormir. Il y a juste des WC, mais c'était vraiment un lieu de repli pendant une attaque aérienne. Oui, l'étanchéité commence ici. Alors.